Le mal in Africa, mythe ou réalité? Aujourd'hui, on parle un peu d'un thème, je sais pas, un thème qui dérange beaucoup, le nom, le logo Mad in Africa. Parce que généralement, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit, on devrait utiliser le logo ou bien dire qu'un produit est africain. Donc, c'est un thème, ce sont les trucs qu'on doit recadrer parce que c'est vraiment du désordre. On se permet de coller juste l'étiquette Made in Africa, même si le produit n'est pas africain. Donc, voilà le thème qui nous occupe un peu aujourd'hui. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Vitry Staff au camp. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, aujourd'hui, on parle d'un thème un peu sensible qui est le Made in Africa. Un logo, un nom que les gens utilisent, je dirais même abusivement. Imagine un peu quelqu'un qui importe les produits, je veux dire les pièces d'un objet. À 99% des pièces sont importées. Je veux dire, ils importent 99% des pièces et une fois montées, ces pièces importées, ils disent Made in Africa. Il est bien vrai qu'aujourd'hui, aucun fabricant ne produit lui-même ses produits, ne produit lui-même les pièces pour le produit final, mais ne saurait importer les 99% des pièces pour fabriquer un objet et après dire, par exemple, Made in. Je sais pas quel pays, tu vois, c'est un peu ça le problème chez nous. Je prends un exemple, c'est même pas un exemple, ce sont les cas qu'on vit actuellement. Quelqu'un achète la tomate, comment on appelle ça, ce qu'on appelle généralement la tomate en boîte, vous savez, la tomate en liquide, ils importent ça dans les fûts de 100 litres de la Chine et ils mettent dans les bouteilles. Ils viennent sur place en Afrique et ils embouteillent, ils mettent ça dans les bouteilles et ça devient subitement le Made in Africa. C'est vrai, en réalité, une petite parenthèse derrière la tomate en liquide, l'industriel en réalité s'en fout même déjà de ta santé. Parce que ici en réalité, c'est pas la tomate qui est à l'intérieur des fûts. Pose-toi la question. Combien coûte un kilo de tomates en fruits? Si un kilo de tomates en fruits coûte tel montant, et si tu as l'habitude d'écraser la tomate, achète un kilo de tomates, écrase cette tomate et regarde à quoi ça ressemble la tomate que tu as écrasée, la tomate en fruits que tu as écrasée. Et tu verras que ce que tu achètes dans la boîte en pâte concentrée là, ça ne peut pas être la tomate. Là tu vas comprendre un peu beaucoup de choses. Et c'était une bonne petite parenthèse d'ailleurs. Donc cette vidéo c'est pour les amis, pour vous les futurs entrepreneurs, vous les gens qui veulent faire la fierté de l'Afrique. Avec les produits, vous devez vous poser la question de savoir à quel moment dit Made in Africa. Parce que tu n'as pas besoin de dire Made in et pourtant 99% de ces produits viennent d'ailleurs. Donc c'est ce pourcentage-là qu'on devrait définir. C'est vrai, c'est difficile à donner un truc fixe, mais ça devrait déjà être
tu devrais déjà fabriquer sur place. C'est vrai, actuellement, c'est un nom qui ne fait pas trop de bruit. Quand on dit Made in Africa, déjà, les Africains ne consomment pas africain. Pour l'instant, c'est encore le problème. Le nom, je ne veux pas dire ne vaut encore rien, mais le nom n'est pas encore ce que ça devrait l'être. Parce que déjà, c'est un problème majeur que nous ne consommons pas africain. Déjà, même quand je dis consommer africain, je parle même pas déjà des produits. Quand on dit consommer, je ne parle pas seulement des produits, mais je veux dire consommer, accepter que l'un des nôtres évolue, accompagner les nôtres, c'est-à-dire accepter que ton frère puisse évoluer. Donc, pas, je veux dire, pas tes efforts, pas tes efforts, mais que tu contribues, que tu fasses quelque chose pour que ton ami, ton frère, pour qu'il évolue. Parce que chez nous, c'est un peu difficile. Les gens conçoivent un peu mal que je travaille, je l'aide à évoluer. Et pourtant, on évolue en aidant quelqu'un, tu vois, un peu. Parce que quelqu'un ne peut pas évoluer tout seul, devenir quelque chose tout seul. Tu as besoin des autres. Et chez nous, on accepte ça très difficilement. On ne veut pas aider quelqu'un à évoluer. Et déjà même, déjà quand la lumière brille là, beaucoup aimeraient verser l'eau dedans. Bon, c'est pas, les gens aimeraient l'éteindre le plus vite possible. Donc quand ça brille chez toi là, beaucoup aimeraient seulement l'éteindre. Et pourtant c'est pas ça. Tu ne peux pas évoluer sans vouloir que d'autres évoluent. Tu ne peux pas être à la conquête du succès sans accepter et respecter le succès des autres. Et sans être fier du succès des autres. Là, c'était aussi une parenthèse. C'est ça le consommer africain. Consommer africain ici, c'est pas comme les gens ont l'habitude de dire. Manger, je sais pas quoi, les produits africains, c'est pas seulement ça. Donc, vous les amis, Made in Africa, respectons le logo, poste avant de coller le Made in Africa sur ton produit, rassure-toi que tu es en train de vendre, ou que tu es en train de fabriquer, ou bien ce que tu es en train de proposer aux gens, c'est réellement le Made Africa. Donc, à vous les futurs entrepreneurs, vous les entrepreneurs, le Made in Africa, le Made in Africa, c'est un truc qu'on devrait préserver tous. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Le Made in Africa, valorisons ce Made in Africa et nous, on en profitera. Aujourd'hui, on ne consomme pas encore africain, mais je pense qu'avec le temps, les choses vont changer et les gens pourront vraiment consommer le Made in Africa. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao!